Ok, c'est parti, petite game Xayah Rakanbot. On est avec Matamata au bot. On joue contre Tristana Kalista. Enfin, Janna Kalista, pardon. Non, il me troll, j'aime pas ça, pardon, je m'énerve. Je sais pas aussi pourquoi je m'excuse à chaque fois que je m'énerve, mais en fait, c'est. Putain. En fait, il est au raid, en mode je start raid, à la frame. À la frame où je pose ma ward dans le bush pour aller pull et pour pas me faire cheese en revenant. Il part au bleu, genre. Du coup, cette ward là ne sert à rien et j'ai gaspillé une ward. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est une ward pour rien. Il y a trop de jungle qui font ça. Je. Ils sont. Après, je devrais leur demander, mais. Ça bête trop. Bon, du coup, en termes de match-up. Ils ont une bonne lane quand même. Je fais un combo, moi j'envoie tout, on fait un Vlad. Hein. On a une bonne lane aussi. Hein. Oh, si on joue. Après, ça va dépendre des knock-up de Rakan, mais. Ah désolé, je m'attendais pas à ça. Merci beaucoup Lirpa pour le sub. Je vais potion du coup. On aurait pu la tuer tous les deux mais je pensais pas qu'il allait keep aussi loin. En fait j'avais pas les HP, la vision sur les HP de Janna. Merci Mindreams pour le resub. Du coup, je pouvais pas vraiment le follow-up. Ah putain de minute de merde. Ouais. On n'a pas besoin de lui. Oh! Bonjour, Kimon, dans l'extrême 900 damage, c'est pas dingo, quoi. Je suis vraiment frappé. Merci beaucoup à toi, Fabanaizen. Moi, je suis pas trop fan de Scorch en plus de tous les nerfs. À moi ça. Je sais ce que vous allez me dire, ah, c'était pas nécessaire, blablabla. Mais c'est vrai que c'était pas nécessaire. Mais je le voulais, ce kill. Quel le ward, nice. C'est pas qu'avant moi lui. D'apprendre que Qatar est né le même jour que moi, détruire cette game. On remercie à ta fixing, on va faire de notre meilleur. J'ai pris un kill Nasis qui est pas trop mal. Et surtout, vu que je joue contre la duo, en fait, je joue contre la duo Azir Nunu là. C'est la troisième game que je fais avec. Enfin, que je fais avec eux. Première game, j'étais contre, deuxième avec, et là encore du coup contre. Et première game, Azir était en 8-1. Deuxième game, Azir était en 3-0 et en face ça open. Et du coup, cette game là, j'espère que, vu qu'il s'est fait faire blood par Sebex en 1v1, j'espère qu'il va se faire bien démolir sa gueule là. Et que Nunu pourra rien faire de la game. Et qu'on va win. Voilà, c'est l'objectif principal. Ils ont pas un très bon scaling. Enfin, ils ont Azir Nunu en scaling, mais. Kalista, ça scale pas bien. Et Aatrox. Ça scale moins bien que Jax, quoi. Elle a acheté quoi? Elle a acheté une Dax seulement. Encore, casse-toi! Allez, je t'ai dit casse-toi, maintenant tu vas mourir! Suffit les conneries, hein! On se prend pour qui là? Ça, il est pas mort. Merci à toi! Après, on va pas se mentir, mes poèmes que je faisais à 9 ans étaient peut-être pas aussi. Peut-être pas super bien réussi quoi, mais bon. Après, moi je sais pas, j'avais 9 ans donc de mémoire c'était bien, tu vois. Mais merci à toi en tout cas pour les 2€ et. Je suis content que tu en gardes un si bon souvenir. Ah, on a pu spell. Oh les misclics que j'ai mis là.
J'aurais pu la kill si j'avais joué parfaitement. J'ai un peu troll. En fait, si j'avais attendu d'avoir mon E pour Q. Bon, après, j'ai troll le premier E aussi déjà de base, mais. Si j'avais eu mon E. Si j'avais attendu mon E pour Q, j'aurais. Q, elle serait morte. Et le dernier, la dernière plume, je pense que si je la touche à l'aller et que je E et qu'elle se prend le retour, elle meurt aussi. J'ai misplay là, mécaniquement, c'était faible là. Parfait, GBF. C'est nice ça. Okay, je pas back. Méchant temps. Non, en vrai, elle était gentille. Arrête. J'ai aussi eu le cœur meurtri, malheureusement, mais bon. Ça allait quoi. Merci à toi, Nelux. Dis-moi gros, tes lunettes, ça marche bien, et c'est quoi la marque STP? Bah la marque c'est... Station, qui est marqué juste en bas à gauche. Et honnêtement oui, ça marche super bien. Genre, ça marche vraiment vraiment bien. Je fais une vidéo sur YouTube si tu veux. D'ailleurs tu as 5% de réduction avec le code WAX. Si tu le souhaites, n'hésite pas. Et honnêtement oui, ça marche vraiment vraiment bien. Si t'as... Enfin mal aux yeux. Les yeux fatigués et tout. Honnêtement, n'hésite pas quoi. Il a pas eu l'assise, désolé. C'est un peu risqué ça comme call. On va pas se mentir, hein. C'est ballsy, hein. Moi j'aime bien. Hein. Mais en termes de logique de jeu, c'est. Faut avoir les couilles bien solides quoi. Bon, mais on est plutôt pas mal, on est en train de la détruire cette game. On est en 4-0. On prend une petite pink, on a pris un Drake Infernal contre Nunu. Azir est déjà en 0-2-0. C'est pas mal, top, il gagne aussi en farm et puis il va au scale quoi qu'il arrive. Je pense qu'on a des meilleurs joueurs individuellement parlant, donc juste à essayer, tant qu'on contrôle le combo Azir-Nunu, on est bien. Hein. Le truc c'est qu'ils ont Azir-Nunu-Janna, du coup en fait si Azir est fed, genre ils ont un stéroïde de fou pour Azir qui est Nunu et un peeling de fou pour Azir qui est Janna. En plus du peel naturel d'Azir avec son ulti et sa mobilité. Ouais, gros boot, littéralement. Elle aurait pas dû me rodage dessus, c'est pas très grave mais on a peut-être pu... Je pense à des trucs sur Janna aussi. Aucun respect Kalista par contre. Sur les zones de sécurité. Hein. Je vais pinter. I'm gonna aim by the way. Nice nade. Bon la dive encore. Tranquille l'auto. Je comprends pas le but, c'est... Enfin je comprends... Je comprends pas comment elle peut ne pas s'y attendre en fait. C'est grave, si elle se fait dive c'est grave. Ok. Cerveau des joueurs. J'aime pas flame les gens ou quoi, mais. Non, la tour, la tour, la tour! J'ai eu gold! Le problème, c'est qu'ils ont eu le first blood mid, du coup, j'ai eu que 200 gold. Mais j'ai quand même eu les gold. Let's go! Yes!
100 gold pour ce flash pour, qu'est-ce que ça vaut le coup ça? Ah, je m'attendais à 300 quand même, parce que le timing était close quoi. T'as répondu à mon dernier nom, tu mérites une fessée. Ah, j'ai pas vu Grégor, attends, je vais aller voir ça. Enfin, j'ai pas vu. Je vois pas de pas avoir répondu à une question, mais. Je vais aller voir ça, merci à toi pour les 2€. Allez, pour les 25 ans, c'était dit une levrette, j'ai pas vu. Merci mec, je sais pas, il avait pas pop. Bah, je vais répondre, c'est. Il sait très bien que. Particulièrement, il vient me voir, il fait ce qu'il veut quoi, mais y a pas de. Je suis libre d'esprit et de corps, hein, comme j'aime à le dire. Oh, le machine is in base. Bah, c'est super les games aujourd'hui, putain de merde. Après, là, je suis en 7-0, au moins on a bien démoli la botlane, mais. C'est-à-dire que les joueurs d'en face, c'était pas les joueurs les plus intelligents que j'ai pu croiser. Donc le pauvre Atrox, il fait 1-0-0 au top. Qui voit toute sa team de Int et AFK. C'est les bonnes games. Et je vais effectivement tous les report pour leaving the game à AFK parce que c'est pas plaisant. Ok, ça aurait été dead party cette game. Hein. Et il joue bien mon support. Je vais honorer mon support cette game. Allez, on push les amis. On fait danser l'Hérald. Faut pas qu'il meure. Nice. Plus de creep possible pour les stats. Hein. Wouhou! Petite danse de l'Hérald. Bah, super parti! Voilà, comment est-ce qu'on dive la bot lane? C'est très simple, tu fais le tour avec le support, tu dive le mec, tu le fais 3 fois. Les gens ont toujours pas compris et tu prends 3 kills. Merci à toi, Docteur Flash, pour le sub. Enfin, le resub. De 4 mois. Bah écoutez les amis, bah c'est une win, S+, 20 LP. Ok, l'avantage c'est que vu que la game a pas duré longtemps, bah je vais pouvoir en lancer une et pas déborder sur le truc, c'est pas trop mal. Petit pouce bleu, petit abonnement et... abonnement à la chaîne Twitch, la chaîne YouTube et Twitch, c'est pas déjà fait. Et des bisous à vous et je perds des cheveux. Enfin, j'ai des cheveux qui tombent, tu vois sur YouTube.